Eh bah, vous ne rêvez pas, je me suis coiffée, oui oui. Alors la dernière fois c'était, il n'y avait pas encore de couleur sur la télé était encore en noir et blanc. Ça fait très longtemps. Coucou tout le monde, moi, oui, j'ai des colocs sur mon visage. Mais c'est pas le thème de la vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update, parce qu'il faut qu'on parle. Je voulais me poser pour vous filmer une vidéo update sur l'appartement, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai acheté un appartement que je suis en train de... C'est pas vraiment retaper hein, parce que je le tape pas si tant que ça. En vrai si. En fait, j'ai acheté un appartement, je veux faire 2-3 travaux, sauf que au final les 2-3 travaux c'est pas du tout 2-3 travaux, c'est plus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 travaux. Je vais vous montrer une update de tout ce qui s'est passé parce que l'appartement ne ressemble plus trop à quoi il ressemblait quand je l'ai acheté. Qui a compris? Eh, en gros, je vais vous montrer, je vais vous updater sur l'appartement. Par contre, je vous explique, ma chambre ressemble à ça. Voilà ma chambre, c'est... comme d'hab au final. Parce que en gros, le jour où les travaux ont commencé, j'ai vraiment... enfin, j'étais tellement mignonne et naïve et conne, parce que j'ai vraiment commencé à filmer une vidéo en me disant genre, bah là je vais filmer ma vidéo de la semaine. Du coup j'ai commencé à filmer le matin en mode coucou, genre c'est le début des travaux, je vais vous montrer un avant après, en pensant qu'il y allait avoir un avant après le jour J, alors qu'en fait bah le jour J ils ont vraiment juste mis des bâches dans l'escalier. Et moi j'étais en mode, du coup aujourd'hui vous allez casser la cuisine et la salle de bain? Ils ont dit non. Non non. On va juste poser nos affaires et mettre un peu de bâche sur le sol quoi. Mais maintenant, on est à plus d'un mois de travaux. Ça ressemble plus trop à quoi ça ressemblait quand je l'ai acheté. Genre le petit rafraîchissement dont je parlais, en fait c'est pas du tout un rafraîchissement, c'est vraiment genre... ils ont tout pété. On va y aller cet après-midi, je vais vous montrer. Et en attendant, je vais vous faire une petite update de tout ce que j'ai commandé. Hier, j'ai re-regardé la vidéo que j'avais fait avec Leslie, où en fait, elle me présentait les premiers plans architectes, parce que c'est mon architecte, et un peu, entre guillemets, la déco que j'avais choisie à l'intérieur en 3D. J'ai regardé la vidéo, j'étais en mode... pourquoi on a tout changé comme ça? C'est hilarant. Enfin, ça fait rire personne. Et donc bref, le jour où les travaux ont commencé, désolé je me suis éparpillée dans une autre histoire, le jour où les travaux ont commencé, j'ai filmé un vlog, mais je crois que j'ai perdu la carte SD, parce que elle doit être quelque part là-dedans. Et j'ai quand même cherché, hein, j'ai sorti vraiment toutes les cartes SD que j'avais, enfin franchement on dirait que je produis un film là, au stade où on en est. Donc voilà, si jamais la carte SD réapparaît par magie, bah les plans réapparaîtront par magie sur votre écran, dans 3, 2, 1. Vraiment ça résonne. Genre là je pense que si je chante, ça peut être pas mal. Oh, 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 oh. Pas mal. J'espère que vous allez bien. C'est la dernière fois que je vous retrouve dans cette pièce qui résonne, mais je voulais absolument vous montrer parce qu'aujourd'hui c'est la rentrée et c'est le début de mes travaux. Bon là on dirait pas, mais cet après-midi, les constructeurs, les démonteurs, les builders, les mecs des travaux arrivent et on commence les travaux. Donc je voulais vous emmener avec moi aujourd'hui parce que on va aller avec Leslie qui est ma décoratrice intérieure choisir, je sais pas si on va choisir mais on va choisir des trucs. Et bref, je voulais vous emmener avec moi. Donc là je vais vous montrer une dernière fois l'appart avant qu'il se fasse casser la gueule, parce que le thème de la journée c'est démolition. Donc aujourd'hui je crois qu'ils vont commencer par casser la gueule de la cuisine. Et en fait j'ai trop hâte. Genre ils ont déjà commencé un petit peu. Ouais bon, ils ont vraiment enlevé une planche. Imaginez dans quelques mois, genre là je viens de me réveiller, truc good morning, je prépare pas mon matcha parce que c'est dégueulasse, je prépare mon coca. Genre putain on est bien, j'ai hâte. Mais là pour l'instant la cuisine elle va se faire casser la gueule. Genre comment tu démolis? Parce que monter des meubles c'est pas facile mais ça va. Mais démonter genre quoi? Ah, je sais pas, chacun son taf hein. Je sais pas. Qu'est-ce qui va se faire casser la gueule aujourd'hui? Bah toi. Toi là, out. Genre ça va être très satisfaisant à casser je pense. Mais après ils vont le mettre où? Oh, j'ai tellement de questions. Tout ce dressing là, out. Ça, out. Et la salle de bain, alors toi je peux même pas te raconter à quel point tu vas te faire casser la gueule aujourd'hui. Juste petit beans, j'ai oublié, enfin aussi je sais pas faire, souscrire un abonnement pour l'électricité et l'eau. Genre comment t'achètes de l'eau? Ah, j'ai pas compris. Ok, ouais mais j'ai pas souscrit à l'électricité. Donc aujourd'hui ils vont faire sans. Et puis on verra pour demain hein.
vraiment que je devienne adulte, mais maintenant, genre tout de suite. Du coup, ce que je vais faire pour être sympathique, là, je vais aller leur acheter des petits croissants et des pains au chocolat et des petites canettes. Je vais leur poser sur ma petite table que j'ai là et ils pourront s'asseoir sur les chaises que j'ai. Ah. Bon, j'ai retrouvé Leslie et on a déposé des petits gâteaux pour les travaux. Et là, on va quoi? C'est quoi? C'est des robinets? On est en mode carrelage et robinetterie. Donc ça, c'est potentiellement le mur et en fait tout de la salle de bain. La douche, tout. Mais faut que je vois si ça me va bien au teint. Tu peux voir? Genre là, je me lave. C'est beau? Ouais, c'est très bon, déjà que je suis à l'hôtel. Ouais, c'est beau ensemble, non? On peut voir ça. C'est la même chose, non? Non. Ah ouais? Et après, t'en as un qui est complètement différent mais qui est mat. Ah oui, ok. Ah oui, oui, ok. Sinon, t'aurais mis quoi, noir? Moi, j'adore canon de fusil. C'est qui canon de fusil? C'est quoi canon de fusil? Canon de fusil. Ok. C'est pas noir, c'est pas doré, c'est genre. C'est des termes techniques. Il y a mille trucs, genre, faut avoir l'imagination du siècle. Genre, comment t'imagines ça dans une salle de bain entière? Putain, y'a trop de choix. Genre, c'est quoi la différence entre tous? Je suis perdue. Tu vas te calmer. Bonjour Pacha. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, bon message. Ouais, je suis en train de raconter que... qu'en fait, j'ai fait vraiment casser toute la baraque en fait. Dis bonjour Smithers. Smithers, dis bonjour. Ah, il est timide. Ok, alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé pour l'appartement. J'avoue, j'ai d'être ça. Voilà, j'avoue, j'ai d'être ça. J'ai je pense avoir très bien choisi. Voilà, je vous le dis, je pense que j'ai très 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 bien choisi. Le salon, il change pas trop de comment il est à la base. On va juste rajouter une bibliothèque. Donc je vais vous montrer parce que j'ai le plan. Ça, c'est le plan menuiserie. Là, actuellement, il y a que la cheminée. La cheminée, on la touche pas. Mais on va ajouter des grands arcs comme ça. Moi, j'adore les arrondis. Donc là, j'ai foutu des arrondis un peu partout. Et en fait, là, je remarque, on a encore modifié ce plan qui était à la base le plan final. Mais en gros, on travaille avec un menuisier. Donc le menuisier, c'est le monsieur qui va faire tous les meubles sur mesure en bois. Donc là, comme c'est du bois, il va me le foutre dans... Je sais pas comment il va faire, mais... C'est le menuisier. Donc là, cet après-midi aussi, on a rendez-vous avec le menuisier pour qu'il prenne toutes les cotes. Donc en gros, il va tout mesurer. Là, la petite modif qu'il y a sur ces étagères, c'est que j'ai ajouté en bas un placard. Donc en gros, je pense que on va faire des étagères peut-être un peu moins hautes. 35 cm, c'est beaucoup. C'est quoi 35 cm? Ouais. En haut, un peu plus grand pour pouvoir mettre des trucs. Donc bref, je disais, en bas, on met des placards à porte pour pouvoir mettre, j'avoue, du bordel. Voilà, parce que c'est bien beau d'avoir des étagères avec de la déco. Mais au final, en vrai, si tu veux que ce soit vraiment joli, tu peux rien ranger. Genre, ce sera des boîtes, des trucs, je sais pas, les trucs où tu sais pas où les foutre, bah on va les foutre là-dedans. Voilà, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des portes sur les deux dernières, sur la dernière. Je sais pas. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai commandé pour le salon salle à manger. Je commence par vous montrer la salle à manger parce que c'est plus proche de la bibliothèque. Donc, imaginez-vous cette bibliothèque, ok? J'ai choisi ces chaises que je trouve trop belles. Genre, elles sont en bois, un peu avec des rayures, mais quand même un peu arrondies. Genre, c'est un carré arrondi avec la bouclette comme ça. J'adore. Ok, donc mes chaises. Donc là, est-ce que vous arrivez à les imaginer avec la bibliothèque? C'est vraiment de l'imagination, hein. Il faut avoir 8 ans et demi. Et croire au Père Noël, là. Pour la table, au début, j'avais validé, genre, j'étais sûre de vouloir prendre, j'étais vraiment à deux doigts de commander une table où en fait c'était à peu près le même délire mais c'était beaucoup plus clair et les pieds ils étaient droits. Et en fait j'ai kiffé sur celle-ci, elle est plus petite par contre. À la base ma table elle était plus longue que mon canapé, donc t'avais ma table comme ça et mon canapé plus petit. Et j'ai switché, en fait j'ai un canapé plus grand que la table. Ça fait plus de sens, non? Je sais pas. Mais voilà ma table. En gros, c'est une table en bois. C'est un bois moitié clair, moitié foncé. Et je trouve que ça va trop bien avec les chaises. Oh là là! C'est sublime. Je suis trop contente. La table, il y a un arrondi. Et je trouve ça sympa parce que du coup, en fait, tu peux mettre tes pieds à l'intérieur. C'est vrai que la table que je choisis de base, c'était un bloc de bois comme ça. Et du coup, en fait, ça bloquait la jambe, quoi. Voilà. Maintenant, il me fallait des suspensions. Là, on voit plus le fil de la suspension, mais imaginez avec un fil, c'est trop beau. Voilà, un peu de couleur. Ma bibliothèque dans le fond, deux suspensions, il y en a une orange et une rose. C'est trop beau. Après, il faut que j'achète beaucoup de déco pour la bibliothèque, parce que là, elle est vraiment sèche, sans saveur, sans arôme. Elle est pas contente. Canapé, j'étais mitigée entre le confort et la beauté. C'est comme les meufs qui hésitent entre un mec beau, mais c'est un gros bâtard, et un mec moche, mais adorable. Moi, c'était la même chose, mais là, il est pas moche. Et je suis contente, parce que j'ai l'impression dans ma tête que mon canapé aussi il est arrondi.
Et moi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore les arrondis. Mais franchement, le canapé, il est trop beau. Genre, il est en bouclette blanc. J'avoue, c'est un risque en étant mimi cracra des fois. Genre, vraiment, chips... Je fais ça. Mais il faut que je grandisse. C'est un appartement où je vais grandir. Donc, je vais me mettre à cuisiner. Je vais me mettre à arrêter de m'essuyer sur le canapé. Enfin, manger proprement, au final. Et peut-être manger à table. Et arrêter de manger sur le canapé. J'ai aussi pris une petite lampe. Toujours dans les arrondis. Enfin, j'adore les arrondis. Pour la table basse, j'ai grave hésité. J'ai pas encore commandé de table basse, mais j'ai kiffé sur cette marque qui s'appelle Studio Gaia. C'est trop beau. Enfin, excusez-moi, c'est trop beau. Mais en gros, c'est ce design que j'adore. Et je pense que ça pourrait aller parfaitement dans mon salon. Voilà, en gros, c'est cette table basse que j'adore. Il y a une petite niche en bas. En fait, tu peux ranger genre des magazines et un peu de déco ou quoi. En fait, je crois qu'elles les font que sur mesure. Mais regardez, oh là là, c'est trop beau. Et elle aussi, elle a des arrondis. Regardez dans son meuble télé, c'est arrondi. Je pense que je vais faire un rose, un peu comme... mon fauteuil, mais j'ai pas encore commandé le fauteuil. Ça, c'est très beau. Ou alors, je fais blanc, mais avec les joints roses, comme ça. Ça, c'est trop beau aussi. J'adore. Ok, imaginez avec la table. C'est très beau. Il faudrait qu'en fait, la table, elle soit matchée soit avec les suspensions qui sont au-dessus de la table à manger, soit avec mon fauteuil. En fait, j'ai un problème. J'ai un problème parce que je voulais ce fauteuil. Vraiment, je vais pour passer la commande. Hein. Je suis vraiment genre... à deux doigts de taper le code de ma carte. Et j'y mets. C'est bizarre qu'il n'y a pas d'infos sur la livraison. Je vais quand même appeler pour être sûr. Ils me disent oui, alors si vous commandez sur internet, le délai de livraison c'est 1 an. Par contre, si vous venez en boutique, c'est 6 mois. J'ai vraiment dit 6 mois, 1 an. Dans tous les cas, c'est catastrophique. En fait, j'ai le temps d'emménager, changer d'avis sur toute la déco, refaire des travaux, que j'aurais même pas livré mon fauteuil. Bah du coup je crois que je vais changer de fauteuil. Ou alors je vais le trouver ailleurs. Donc là le salon, imaginez-le avec un fauteuil rose Togo ou pas. Franchement on est bien là. Et attendez, je vous montre le meuble télé. Du coup qui est fait en menuiserie. Ça c'est mon meuble télé arrondi aussi. Vous voyez le meuble télé là? C'est très sympa. Il manque juste un fauteuil rose. Et le salon c'est out. Pour la cuisine, j'ai commandé un papier peint champignons, mais pas pour toute la cuisine, attention. J'ai aussi deux suspensions trop belles comme ça et les deux tabourets maïs qui sont en cours de livraison. Genre la cuisine, faut que ce soit thème légumes. J'adore les fruits et les légumes, j'adore les arrondis. Voilà. Pour l'entrée, j'ai fait un meuble sur mesure. C'est trop stylé. Genre, je suis trop contente. Je vous dirai pas quelle couleur j'ai choisi au final, parce que je veux laisser le suspense. Mais en gros, c'est ça. Ça s'appelle le curvy sideboard. Normalement, t'as 4 arrondis. Et moi, j'ai demandé si tu peux m'en couper un et juste 3. Je vous dirai pas si j'ai pris bleu, jaune ou autre couleur, parce qu'elle m'a envoyé une palette d'autres couleurs. Attends. Ça, c'est toutes les couleurs possibles. À votre avis, j'ai pris quoi? Et je n'ai pas pris rose. Maintenant, la salle de bain, ça a grave changé parce que à la base, on voulait partir sur un peu du carrelage rose. En fait, je voulais foutre du rose partout et on voulait faire tout un mur un peu en triangle. Au final, on a tout changé, j'ai dit stop. Ça fait trop d'infos, le bois, le carrelage, le truc, les joints roses, la douche, le machin. J'ai dit, je veux que ma douche ressemble à une douche d'hôtel. Je veux que ce soit propre, je veux que ce soit clean parce que je suis la plus bordée du monde. On a réussi à mettre un miroir genre comme ça en placard parce que en fait j'avais pas la profondeur à la base. Du coup on a fait décaler un peu le mur, toute une galère, mais le rangement c'est le rangement, faut pas négliger le rangement. On a fait une extension pour pouvoir faire le meuble jusqu'au bout pour pouvoir avoir une coiffeuse. Donc j'ai trouvé un pouf sur West Wing que je trouve trop beau, que je vous ai montré juste avant, c'est le rose. En fait ce qui est trop stylé c'est que tu peux l'ouvrir et ranger des trucs dedans. On a le miroir rangement, les rangements en bas, ici on a une étagère genre porte serviette et la douche. J'ai pas un plan de la douche mais ça va être une douche très simple. Ça c'est le dressing. Au final, on a réussi aussi à avoir des portes battantes et pas coulissantes pour que ce soit tout lisse et tout raccord. Et on va mettre aussi des petites poignées de portes très sympathiques. Donc là, ça va ressembler en fait à vraiment un mur haussmannien. Genre, on va reproduire des moulures sur les portes. Ça, c'est mon bureau, la qui rose. Et je suis trop contente parce que le menuisier avec qui j'ai rendez-vous aujourd'hui, il va m'emmener les échantillons du bureau pour que je puisse choisir la couleur. Je suis trop contente, ça va être trop beau. Le dressing dans ma chambre, au final, je l'ai fait comme ça. Ça va être le même laqué rose que le bureau, il me semble. On a des verres semi-permanents. Semi-transparents. Semi-permanent, c'est les ongles. Ça, c'est ma tête de lit. Ça va être un arrondi. Je sais pas si je vous ai dit que j'adorais les arrondis. Faut encore qu'on trouve une toile pour l'intérieur. Ça, c'est un sujet aussi. Il y a une petite niche là pour que je puisse poser mon téléphone et le mettre à charger. Ça, c'est la colonne pour les machines à laver si ça vous intéresse. Mais ça n'intéresse personne. Et maintenant, direction la direction, on va à l'appartement pour que je puisse vous montrer une update des travaux. Et parce que j'ai rendez-vous avec les menuisiers et on va aussi retrouver Leslie, mon architecte,
pour faire un petit point avec elle. Parce qu'il faut qu'on commande des chauffages. Ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Regardez, ça c'est le côté chambre. Déjà les toilettes elles sont sublimes, je suis trop contente. C'est hyper beau, j'ai envie de poser ma pêche. Ok, là rappelez-vous, il y avait un énorme dressing, donc on l'a fait en veille. Ah, le sol il a été un peu modifié parce qu'il y a quelques jours, je vous mets une photo à l'écran, c'était pas du tout comme ça. Mais du coup on a enlevé le sol parce qu'il y avait du carrelage, du parquet, tout était mélangé. Et en plus on a fait un raccord ici pour la chambre de mon frère, parce qu'avant c'était un angle un peu genre triangle, et là on a fait genre chambre de mon frère. C'est sublime, c'est pré-emménagé. C'est top. Ça c'est mon dressing du coup. Bon, pour l'instant, voilà. On est là, ils sont en train de refaire toute l'électricité là, tout ce qui m'intéresse pas. Là on va mettre mon miroir, là on va mettre un placard, là aussi. Pareil, on est en train de changer, j'ai appris que le câble d'internet s'appelle le J40, le F45, RJ45, je sais pas, bref. Là on a ma chambre, c'est trop beau, voilà. Je suis croc-croc contente. Et on a un petit dégât des eaux très sympathique. Donc voilà, on se sent comme à la maison. C'est choquant de voir à quel point il y a beaucoup de travaux alors que je pensais qu'il y avait rien. J'étais en mode genre, bah là tu décales un peu la porte et ça tu me le changes, mais c'est vite fait. Ouais, ouais, c'est vite fait. C'est vite fait. Très vite fait. Là, à l'instant où je vous parle, ils estiment un emménagement le 8 décembre. Dans un mois et deux semaines. J'avais fait de travaux, mais je sais pas. Je la sens pas là pendant un mois et demi. Ça, c'est la petite pièce dans l'entrée. Rappelez-vous, la porte à la base, elle était ici. Donc là, ils ont fait les faux murs. Enfin, du coup, ils ont redécalé la porte. Donc là, il faut juste rajouter la trappe à chat pour Bonnie. Et sinon, là, il y aura. Du coup, ça va être le petit dressing de l'entrée. Chaussures, manteau, litière du chat. J'ai reçu ma robinetterie, donc je sais pas ce que j'ai là. Ah, ma douche. Ok. Voilà, on est vraiment genre. Et regardez ici, il y a les moulures qui sont en train d'être modifiées parce que on veut faire donc une grosse et deux petites. Genre en vrai ça, recopier ici. Donc là il y a l'isolation. Donc derrière c'est. Derrière c'est la chambre de ma mère donc Donc n'hésitez pas à mettre de l'isolation. Comme ça, je peux faire un peu des soirées. J'ai aussi reçu le sol de la cuisine. Je montre la cuisine d'ailleurs. Voilà, super. Presque fini quoi. À deux doigts de me faire un petit plat chaud. Et ça, c'est la salle de bain. Donc là, il faut vraiment fermer les yeux et imaginer. En gros, ici, tu vas avoir la douche. Ici, les machines à laver. Et là, il y aura tout le meuble vasque. Du coup, on a fait, comme vous voyez, décaler la porte. Parce qu'avant, la porte, elle s'arrêtait là où c'était un peu vert. Et au final, c'est pas choquant. Genre, je pensais qu'il fallait faire une toute petite porte. Mais pas du tout. Et là, ils vont rafraîchir la porte parce qu'elle est un peu cassée. Je suis rentrée chez moi, je suis épuisée. Vraiment, quand je ferme les yeux, je vois des tuyaux et des câbles qui dépassent. Je comprends pas comment ils vont avoir fini dans même pas un mois. C'est marrant que je pensais que j'allais emménager en septembre. J'étais tellement mignonne. Donc voilà tout le monde, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé voir les avancées de l'appartement. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous vous y connaissez en travaux, dites-moi si vous pensez que dans 3 semaines c'est fini. En fait, je sais même pas si je veux savoir. Je crois que je veux pas savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous retrouve aussi très bientôt pour trier, enfin pour foutre tout ça dans des cartons. Rien que d'y penser, ça me fatigue. Allez, bisous.